Chers amis, bonjour. Voyez, on conserve quand même le sourire en dépit du fait, c'est un premier constat à faire. Ils l'ont déjà fait mille et une fois, plus encore depuis le début de cette semaine. Elle s'achève avant la venue de Lorient. Oui, le premier constat à faire, c'est que nous sommes sortis des starting blocks un peu plus lentement qu'espéré. Ça, c'est peu de le dire. Même si, et c'est le plus important dans l'immédiat, Olivier Dalloglio en est le premier convaincu. Il a le devoir d'y croire, vous me direz. Mais lui est mordicus convaincu que son équipe, lorsqu'elle mettra autant de détermination à défendre qu'à attaquer, nous deviendrons, permettez-moi l'expression, un peu plus emmerdants à jouer. Alors, nous allons nous présenter face à cette équipe de Lorient, troisième obstacle de la saison, avec pour objectif, évidemment, de décrocher la première victoire, ce qui constituerait le véritable départ cette saison de l'équipe du MHSC. Nicolas Cosa est venu nous en dire deux mots, justement pour dire qu'effectivement, bon ben, il y a des réglages à effectuer, des joueurs d'expérience il y en a, donc il faut maintenant avancer et surtout ne pas trop se mettre à réfléchir de trop, hein, ne pas gamberger en quelque sorte. Face à une équipe, Lorient, qui n'est quand même pas dans la catégorie des cadors de la Ligue 1, je ne veux pas faire injure au Merlu, mais je note tout de même que cette équipe-là n'a pas perdu depuis le début de la saison. Un match nul à Saint-Étienne, une victoire plus qu'honorable face à Monaco, ma foi, ça donne quand même un aperçu des difficultés qui nous attendent. Au cœur de cette semaine et surtout au terme de cette semaine, avant de recevoir donc les Merlus de Lorient, alors c'est le moment de faire bloc, c'est le moment de se montrer plus convaincant et surtout c'est le moment de ne pas céder à la panique. On verra bien en tout cas. L'entraîneur Olivier Dalloglio l'a dit, si le même état d'esprit anime ses défenseurs que ses attaquants depuis le début de la saison, enfin nous parviendrons quand même à un résultat probant, un résultat qui fera du bien face à Lorient, donc ce dimanche à 15h. Ils n'auront pas été de trop, nos petits supporters d'aujourd'hui, ceux qui seront les grands supporters de demain. Le club des Loulous est venu assister à l'entraînement, le dernier, l'avant-dernier entraînement avant le match contre Lorient dimanche. Et bien sûr, tous ces gamins sont venus encourager l'équipe et puis ça a apporté cette note de fraîcheur. C'est très important dans le contexte actuel. Le club des Loulous d'ailleurs, si le petit garçon, la petite fille veulent adhérer au club des Loulous, c'est pas très compliqué, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est utile de le savoir. Vous accédez au site du MHSC, vous cliquez l'onglet Club des Loulous, c'est 15€ par an, par saison, et ça donne accès à bien des avantages, et particulièrement pouvoir assister parfois à quelques entraînements de l'équipe. Ils étaient 60 ce vendredi matin à attendre les selfies, à attendre les autographes, et à encourager, à citer les noms, à chanter au bord du terrain. Ça a fait du bien à l'équipe, et peut-être ce sera au fond, on le retiendra dimanche soir si tout se passe bien, la petite gourde de potion magique qui permettra au MHSC de battre Lorient. C'est tout le malheur qu'on leur souhaite et on va les encourager dans ce sens. Dimanche, à partir de 15h au stade de la Mosson, en nous suivant en direct live sur tous les supports sociaux du MHSC, je vous les rappelle, faut-il vous les rappeler, YouTube, Twitch et Facebook Live du MHSC à 15h, les amis.